Hello à tous, bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler d'une nouvelle idée de business. Vous savez, en ce moment, on est vraiment, vraiment en mode idée de business en Afrique. Ici, il y a beaucoup de personnes du coup qui veulent en tout cas se lancer par exemple dans l'élevage et ensuite du coup finalement vendre le poulet et notamment les œufs. Mais ce que beaucoup de personnes du coup ne pensent pas, ça va être tous les business qui vont être annexes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du business, du coup, des cartons de moulage pour déposer les œufs. Oui, vous avez bien entendu, ce business-là, c'est également un business qui peut rapporter beaucoup d'argent. Pour vous donner, pour être encore une fois, être un petit peu plus concrète dans ce que je vous raconte, admettons du coup finalement que vous décidiez d'acheter cette machine. C'est une machine qui coûte 8 900 €. Vous pouvez la trouver du coup sur Alibaba, d'accord? Donc 8 900 €, 9 000 €. D'accord. Et elle a une capacité du coup de production de 1000 cartons par heure. 1000 cartons par heure. Donc admettons maintenant du coup que vous décidiez finalement de produire donc sur 15 heures, ça va vous faire du coup que vous allez produire 15 000 cartons par jour. Ok, donc 15 000 cartons par jour. Ensuite, une fois que bah, finalement vous avez produit ces cartons, admettons que vous les revendiez du coup à 50 francs et que vous avez un bénéfice net du coup de 25 francs, vous allez pouvoir du coup vous dégager un bénéfice net du coup par jour de 375 000 francs par jour, ce qui n'est pas négligeable. Et du coup par mois, ça va vous faire 11 250 000 francs du coup par mois. Enfin, ça vous donnera du coup un résultat annuel de 207 700 euros à l'année. Encore une fois, je parle de bénéfices nets. Je suis pas en train de parler de chiffre d'affaires, je suis en train de parler de bénéfices nets. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un business qui est ultra rentable. On pense pas beaucoup du coup au business annexe et je voulais en parler aujourd'hui parce que vous devez, quand vous utilisez un produit, toujours vous réfléchir finalement à toute la ligne, tous les produits dont le producteur a eu besoin du coup pour vendre le produit. Le packaging, le produit en soi, etc., etc. Vraiment aller au fond pour savoir exactement ce dont vous allez avoir besoin. Et là, bah voilà, on peut voir que c'est un business qui peut être ultra rentable, donc 207 700 euros du coup par jour. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé, à creuser un petit peu plus. C'est un type de business que vous allez pouvoir, finalement, la matière première, où est-ce que vous la trouvez? Vous allez pouvoir trouver du coup la matière première, peut-être dans les marchés, donc recycler du coup les différentes plaquettes d'œufs du coup que vous allez pouvoir trouver, d'accord? Donc vous allez pouvoir recycler cette matière première-là pour en faire de nouvelles. Le recyclage est quelque chose qui fonctionne très bien, donc il faut vraiment en profiter en fait. Donc voilà, rapidement du coup pour cette vidéo, c'était juste pour vous en dire un petit peu plus sur ce business-là. Pensez aux différents business qui sont autour des produits. Pas tout le temps les produits, vous pouvez très bien finalement faire partie d'un écosystème et du coup participer du coup à une chaîne de valeur en offrant des produits annexes comme cela. Donc voilà, c'est pour vous montrer que c'est un produit qui est hyper rentable, qui est ultra rentable. Si jamais vous avez besoin d'en savoir plus, parce qu'il y a des personnes d'ailleurs qui mettent en commentaire qui veulent en savoir plus, donc vous avez deux possibilités. La première, ça va être de faire, bien entendu, vos propres recherches, hein, de faire votre due diligence, comme on dit en tant qu'entrepreneur, il faut faire votre due diligence, de faire davantage de recherches. Mais aujourd'hui, je vous donne des pistes de réflexion. L'idée après, c'est à vous d'aller creuser, d'en savoir plus. Et vous allez avoir du coup la possibilité notamment de nous contacter si vous en avez envie, si jamais vous avez besoin d'accompagnement, parce qu'on offre du coup des accompagnements pour qu'on puisse du coup vous accompagner dans le lancement de votre projet. Donc voilà, je vous laisse du coup sur ces derniers mots et je vous dis à très bientôt.